Simon, c'est Melaken, bienvenue dans ce nouvel épisode et je ne sais pas trop lequel est-ce, épisode de Zelda Skyward Sword. Ça faisait longtemps, mais j'avais envie de continuer cet épisode, ce Let's Plays. Let's Plays, oui, tu ne sais pas pourquoi, au pluriel. Pendant qu'on déterre des rubis et des mobs. Aujourd'hui, est-ce qu'on va terminer le donjon? Je ne sais pas. Par contre, si je chante une chanson que vous connaissez, c'est tout à fait normal, je vais regarder une vidéo. Je me suis trompé de touche. Oui, je me suis trompé de touche. Voilà. Alors, on est où? Pour voir sur la carte. Hop. Là on a été. Alors puisque ça fait tout de même assez longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode, je me dois de vous rappeler ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, on avait continué notre exploration du donjon après avoir exploré cette partie-là. Objet du donjon qu'on avait récupéré dans ce coffre-ci, lors du premier épisode. Ensuite, on avait exploré ici et on avait découvert la carte du donjon dans le dernier épisode qui était dans ce coffre-ci-là. Et donc, il nous reste que 2-3 coffres, ici, ici et ici, que une salle, deux salles, et un petit truc de tunnel qu'on va aller explorer tout de suite. Je crois que là je connais la clé. On l'avait vu la dernière fois si je ne me dis pas de bêtises. Ça ne sera pas long, je tape pas dragon. Ça a mis du temps à trouver. Merde, tout va bien. Tout va bien, j'espère que voilà. Hop. Hop, voilà. Salut. On t'a eu. On avait été dans ce couloir, mais hop, c'est pas par là. On y avait été, mais on était retourné puisque voilà, l'épisode faisait environ une vingtaine de minutes, comme d'habitude. Donc rubis vert, je m'en s'en fous. Hein, déjà 461, sur combien déjà? 300 plus sur 600. Ça va, je crois qu'on manque pas de rubis. On aura assez pour s'acheter des trucs. Voilà. Si vous entendez un bruit de mouche, c'est tout simplement une mouche qu'il y a proche de la cam. Soit de mon iPod, soit à la fenêtre. Et attendez que je regarde le coffre. On ne voit pas de coffre. Donc on va devoir déterrer tout ce sable. Je crois qu'il est là-bas. On va en bout. D'accord. Bon, ça va. Aïe. Mais pourquoi? Hop. Hop. Donc on va déterrer tout ça. Prendre les quelques... Oui, aucune logique. Hein. Hop. Hop, voilà, ça faisait longtemps. Je ne crois pas avoir perdu la main. Voilà. Hop, tu déterres bien comme il faut. Toi, tu dégages. Flipper lui. Oh. Allez bye. Oui, sauf que là on a un petit souci, hein. Ah, c'est juste un petit coffre comme ça. Ouais, bof. Donnez-moi de la vie. Ah, une trappe. Ce qui déverrouille la porte après. Donc on en avait besoin, tout simplement.
Laissez-moi tranquille. Je ne vais pas me prendre la game over. Voilà. Et donc là, je crois qu'on est d'accord pour dire que le coffre est accessible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre? Un petit rubis rouge, ce qui est plutôt pas mal. Mais merde, on doit se prendre un game over là. J'ai pas perdu. Qu'est-ce que j'ai dit, hein, que j'avais pas perdu là-bas. On va dire. On va dire que j'avais pas perdu. Mais sapristi! On va mourir. Attendez. J'ai utilisé. Voilà, en même temps, ça va nous être utile. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, ah oui, le bout plate. Hop, ça réinitialise peut-être les ennemis, mais ça. Ah, dégueulasse. Donnez-moi de la vie. Oui, donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude avec toutes les temples. La porte du boss qui est là-bas, la grande porte. Attendez. Ça là, regardez mon curseur. Ça, c'est la porte du boss. Si mes souvenirs sont bons. Et donc, je crois qu'on va faire comme d'habitude et y aller comme ça. Alors là, je crois que vous avez compris ce qu'on va devoir faire. Ah, c'est normal. Je fais bouger ma jambe, donc ça fait bouger en même temps mon unshot qui est appuyé sur ma jambe. Hop, voilà. Ce qui fait que, voilà. Alors. Alors là, on va voir le petit boss, le petit bot. Hop. C'est celui-là, là, le lanceur de missiles. Le wagonnet va nous attendre. Hein. Ça, n'ayez aucune crainte. Il va nous attendre. Hop. Ah, voilà. Salut. Bang. Hop, envoie-moi un petit petit. Hop. Hop, voilà, allez. Envoie. Voilà, merci. Adieu, lobby. Alors, on va faire le truc de l'épouvantail. Enfin, de la girouette, pardon. Ou de la rose des vents, ça fait aussi. Je crois que c'est plus une rose des vents. Alors là, on en va voir. Là, ça va être jeu de cache-cache. Vous allez comprendre bientôt pourquoi je dis ça. Hop. Hop, voilà. Maintenant, on swipe de l'autre côté. On avance au pas à pas. Pas à pas avec le truc. On va arriver donc au commencement de la vidéo. On va retourner. Finalement, on aura fait qu'un grand tour, un grand 8, comme on peut dire. Hop, il ne nous voit pas, ce qui est une bonne chose. Ah. Allez, on avance comme je l'ai dit au pas à pas. Moi j'appelle ça au pas à pas. Merci. Alors et maintenant, hop, voilà. C'est ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait en gros? Si je retourne de l'autre côté, attendez, là-bas, éjective la manivelle, ça va juste le faire revenir au début. Si jamais on se trompe, mais normalement avec ça, on devrait plus trop se tromper. Si la vidéo rage quitte à un moment donné et qu'il y a une ellipse, c'est normal. C'est que la vidéo rage quitte tout simplement. Il y a eu un rage quitte de vidéo. Alors là, on va encore avoir un bout comme ça. Mais avant, on va monter en haut parce que je vais avoir le coffre. Et bien,
on peut pas avoir la corde. Parfait. Oui, Lina, oui. Oh, c'est pas grave. Là, si l'histoire éternelle, là c'est l'histoire éternelle du wagonnet qui bouge, hein, du pas à pas du wagonnet. Alors là, on va devoir faire un truc là. Hop, voilà. Là, on va aller le défoncer, lui. Hop. Ok, donc il va nous regarder comme ça. On se rebat. Hop, voilà, merci. Et hop, attendez. La rosace. Allez. Fais là. Ouh, on a réussi. Alors. Alors un gros. Hop. Voilà. 8. Rendu ici. Il n'y a qu'un truc à refaire. C'est tu tapes, on est parti, voilà, et on va retourner à la porte pour la traverser. C'est plus assez technique, mais c'est cool, j'aime bien. Alors, ça faisait surtout longtemps que j'avais pas fait du Zelda et j'avais envie de retourner là-dessus. Donc, comme la dernière fois, on devrait s'arrêter avant le boss, comme tous les donjon, j'ai envie de dire. Hop. Là, il faut surtout pas faire l'erreur de taper sur la chrono, hein, sur la chronolite comme ça. Non, ça c'est une erreur. Alors ici, c'est une des salles rageantes. Normalement, alors, attendez, ranger, tu ranges ça, tu fais ça. Il n'en reste que deux coffres et normalement, ça se paraît, c'est la clé du boss. Je crois que c'est un peu logique. Salut. Noobies. Allez, vas-y. Hop. Voilà. Allez, tomber. Voilà, parfait. Je crois que là on sait ce qu'il faut faire. Bombe. Hop. Il va. Hop, voilà. Hop. Et tu y vas. Là je crois que ça paraît ce qu'on va trouver. On va trouver un chrono. Oui. Est-ce qu'on a une statuette là-dedans? Non. Au pire du pire, si on réussit avant la vidéo de se rendre jusque là, on ira save là. Et ensuite, la prochaine fois, on prendra ça et on ira là. Ce qui me paraît être une plutôt bonne idée. En soi. Hop, tu prends la jarre et tu souffles sur sa chronoïde. Je ne me rappelais pas, mais ça avait la forme assez reconnaissable d'une chronoïde. Alors, et on voit la clé du boss protégée par les deux gardes, les deux rageurs, comme je les appelle. Alors, là, tu vas attendre qu'il se soit déviré. Et maintenant, tu vas. Voilà, parfait. Allez. Allez, là, on gère, hein, on gère. Oh my god. Hop, tu vas. Voilà. Des bombes, des cœurs. Tu actives la manivelle. Ce qui fait ramener la tourbillonnette. La tourbillonne. Je suis appelée dans le milieu la tourbillonne. Ah, c'est la première fois qu'on envoie un truc sur roue. Sur chaîne.
Mais en bas, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Alors, c'est quoi? C'est le rouge. Alors, il faut souffler le rouge. Alors là, on va aller activer les deux autres. Alors là, on est rendu à un code, les amis. Je connais assez le jeu pour vous dire c'est quoi. Hop, donc vous voyez un 2 et un 3. On pourrait croire qu'on joue au domino. Mais non, en fait, on joue pas au domino. Hop. Donc là, vous avez 1, 2, 3. Alors, et comme par hasard, l'autre côté, il y a quoi? Des bombes, en fait. Il y a des bombes. Alors, tout ce qu'on a... Salut, toi. Je ne t'avais pas vu. Oh, le petit traître. Hop, voilà. Non. Ah, c'est pas temps. En fait, si vous vous demandez ce qui se passe, mon Nunchuck fait ce qu'il veut. Hop, salut. Vas-y, tu lances ton missile. Voilà. Merci. Oh, il est riche, lui. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on traverse le vide là et on est arrivé. What? La porte est en... Ça dit qu'il y a une porte. Là. Ah, oh, elle est en bas. Oh le... Oh, donc les amis, je crois qu'on va bientôt s'arrêter là. C'est un épisode d'été, donc... Plutôt court. Donc comme je l'ai dit la dernière fois... Attendez, il est à 17 minutes, on attend de faire le code. Ou du moins, on attend de faire le... Voilà. Alors, en gros... Oh non, laisse faire, on fera... Parce que j'ai assez d'espace pour chanter. Non. Oh, merde. Mais non, j'ai pas demandé de maintenir B. J'ai juste dit, voilà, comme ça. Maintenant, t'as assez d'espace. Et tu sautes. Maintenant, on se met face, on fait ça, et on lance. Et on va sur le rouge, j'en suis. Wouhou. Bang, voilà. Maintenant, hop. Mais je ne demande pas... En fait, je ne demande tout simplement pas de... Hop, on va débloquer le raccourci et... Hop, voilà. En fait, je crois que ce que ça va faire, le code, c'est que ça va débloquer cette salle qui va nous donner accès à la clé du boss. Et en fait, tout ce qu'on aura à faire, c'est descendre ici. On voit très bien les roues qu'il anime. Voilà. Maintenant que ça s'est fait, on va devoir user de stratégie. Allez, tu y vas. Non. En fait, ce qu'il faut faire, si vous voyez pas les courants d'air, c'est ça, ça va te bump. Et en fait, ça va... Là, je cours pas. Enfin, je cours. Là, t'attends. En fait, là, je fais juste bouger le joystick. Hop, et tu cours. Tu rushes. Tu rushes la porte. Wouh. Et la porte est verrouillée. Ben, super. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la débrouiller? Faut activer le code. Ouais, ça doit être ça. Alors en fait, les amis, je vais vous faire un ellipse, je vais faire le code et je vous retrouve après lorsque la porte sera déverrouillée. Le code est simple en fait. Je vous expliquerai après. A toutes. Bon ben, re les amis, je suis désolée, mais on va devoir s'arrêter là.
Donc après avoir effectué les bombes qui dévoilaient ces trois cristaux, il fallait les effectuer dans le code. Donc premier, tu tires sur celui-là. Deuxième, tu tires sur celui-là. Et le troisième, tu tires au milieu, ce qui va dévoiler la porte là. Et lorsqu'on aura probablement récupéré la clé du boss, ça déverrouillera en bas. Mais moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Je suis désolée si vous auriez aimé avoir plus de temps de vidéo. Mais je peux... Aïe, je peux malheureusement plus faire trop grand chose. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Oh my god, vous aura plu malgré les petits fails. Alors maintenant, vous l'aurez deviné, tu ramènes ça pour pouvoir déverrouiller la porte. Hop, voilà. Pour pouvoir remonter en fait, tout simplement. Et donc, maintenant, t'es pris. Mais merde. Bon, attendez, je vais essayer un truc. Pendant en IRL. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que ce 24e, je crois que c'est le 24e, déjà 24. Voilà, ça marche. Hein. 24e épisode de Zelda Skyward Sword vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ensemble. Et bientôt la reprise des vidéos normales, telles qu'on les connaît et telles qu'on les aime. La reprise. Bon, en fait, les vacances terminent bientôt et donc voilà. Donc je serai plus présent, bien entendu, sur la chaîne. Et j'espère que ça vous fait plaisir de mon retour sur YouTube véritablement. Donc, à la semaine prochaine. Allez, bye bye.